Cette application est destinée à vous aider. Liste, hors de la liste. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va parler de Daily Buy via Opta, une application entièrement gratuite. Merci à mon ami Brahim qui m'a donc indiqué cette application pour toute la communauté Vision Hightech. Cette application va être accessible Android, iOS. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, à cliquer sur la petite cloche et à venir me rejoindre en section membres pour continuer à m'encourager. Aujourd'hui, c'est une démo très particulière que je vous fais. Elle sera faite donc avec le tout nouveau Galaxy Fold 2 de chez Samsung. La vidéo est en cours de préparation du déballage et du premier test du Galaxy Fold 2. Mais pour l'instant, place à l'intro. Rejoignez cette chaîne. Voilà, donc si vous êtes malvoyant, si vous êtes une personne aveugle, cette application va faire votre bonheur. Entièrement gratuite, vous pouvez donc l'installer sur votre iPhone comme sur votre Android sans problème. Daily Buy via Opta, D-A-I-L-Y, plus loin B-Y, plus loin V-I-A, collé O-P-T-A. Vous pouvez me la demander en particulier, je vous l'enverrai en section commentaires directement. Je vous enverrai donc directement le lien. Alors comment ça se passe l'application sous Android? Il y a une petite subtilité, je vous montre ça tout de suite. Allez, on va ouvrir le Play Store. Play Store, ouvrir, bouton. Une fois que vous avez téléchargé l'application, on va l'écouter. Qu'est-ce que cette application peut vous apporter? À propos de l'appli, titre. Vous allez être étonné. Attention vos oreilles, c'est parti. Détail. Cette application est destinée à vous aider. Cette application est destinée à vous aider dans la vie quotidienne en mettant en disposition les fonctionnalités suivantes. Reconnaissance d'objets, lecture de texte, reconnaissance de couleurs, reconnaissance de billets de banque, description de scène, loop, météo, minuteur, selfie, contact. Et tout ça les amis, gratuitement, c'est pas cool. Est-ce que la chaîne Vision Hightech n'est pas cool? Surtout je compte sur vous, sur vos likes. C'est vrai que pensez-y, les likes, c'est super important les amis. Allez, on va l'ouvrir cette application et voir comment ça se passe. Ouvrir, bouton. On va ouvrir cette application pour voir comment ça se passe, car sous Android, il y a une petite subtilité à connaître. C'est parti. Daily Buy via Opta. Lorsque vous ouvrez l'application, vous entendez ce bruit. Alors, pour continuer l'installation sous Android, désactivez votre Wi-Fi et l'application va continuer à s'installer. Tout simplement, vous descendez le volet notification. Volet des notifications, 14, Wi-Fi, activé, et vous désactivez le Wi-Fi. Désactivé. Select language. Daily Buy via Opta. Select langage. Tout de suite, on vous demande de sélectionner votre langage. Et là, vous allez voir, il y a quand même pas mal de langues à voir, c'est plutôt cool. Select langage, liste déroulante, English, English. On va donc ouvrir la zone de liste déroulante. Fenêtre pop-up, English, dans la liste. Deutsch, français, espagnol, portugais, néerlandais, italiano. Voilà pour les côtés des langues. Deutsch. Alors nous, on va choisir français. Français, on valide. Français selected. Daily Buy via Opta, liste déroulante, français, hors de la liste. Français donc selected. Accept, bouton, accept. Ensuite, vous continuez à descendre avec un petit pitch gauche-droite pour accept, bouton. Pour accepter, on continue. Sans titre. Chargement en cours, veuillez patienter, Daily Buy via Opta. Une petite fenêtre au centre de votre application se met en place et il vous dit qu'il charge le package de langue. Après quelques instants, vous fermez le tout et vous réouvrez votre application. C'est parti. Affichage Google. Google Play Store. Play Store. Ouvrir. Bouton. Je la réouvre. Daily Buy via Opta. Une fois que vous allez réouvrir votre application, il vous faut accepter les règles de l'application. Novartis Pharmage, conditions générales. Novartis Pharmage est fourni cette application pour aider les personnes à identifier des objets ou des endroits au cours de leurs activités quotidiennes. Tout téléchargement ou utilisation de l'application est soumis aux présentes conditions générales.
Lire l'intégralité des conditions générales. Vous pouvez donc lire l'intégralité des conditions générales. Accepter, bouton accepter. Ou aller tout de suite sur le côté droit, sur le bouton accepter. Deli est conçu pour apporter une aide visuelle aux personnes malvoyantes, grâce au tout dernier logiciel de reconnaissance d'image, dans la page horizontale. Suivant, bouton, en dehors de la page en grille. Suivant. Ensuite, vous avez donc une petite fenêtre qui vous indique à quoi va vous servir cette application. On va faire suivant. En page 2 sur 3. Utilisez Deli pour obtenir des informations sur les objets, les couleurs, les textes et l'argent. Sélectionnez la fonction dont vous avez besoin, pointez l'appareil vers l'objet, puis prenez une photo. Nous nous occupons du reste, dans la page horizontale. C'est plutôt ultra sympathique puisque, avec cette application, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance de texte, d'argent, de scènes, d'objets. C'est vraiment ultra génial. Suivant, bouton, en page 3 sur 3. Vous avez besoin d'aide et préférez parler à un volontaire voyant ou à un représentant de la société, vous pouvez utiliser l'application pour vous connecter à Be My Eyes. Be My Eyes vous mettra en lien avec un volontaire voyant au moyen d'une discussion vidéo en direct. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, l'application Be My Eyes vous permet en fait de contacter des personnes voyantes, volontaires, puissent vous aider via la caméra de votre smartphone. On continue. Commencez, bouton, en dehors de la page en grille. Allez, on peut commencer, voyons voir. Autorisez l'appli Deli by Yauta à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Lorsque vous utilisez l'application, bouton. Uniquement cette fois-ci, lorsque vous utilisez l'application, bouton. Alors ici, on va dire lorsqu'on utilise l'application. Deli by Yauta. Aucune exactitude à 100% ne peut être garantie. Nous travaillons continuellement à améliorer cet outil. Ok, bouton, ok. Reconnaissance des objets. Voilà donc, l'application, elle se passe comme ceci. Sous Android, tout se passe sur le bas de votre smartphone. Touchez l'écran pour prendre une photo de l'objet et obtenir des informations le concernant, ou sélectionnez une photo dans votre bibliothèque de photos. Appuyez deux fois pour activer. Alors, vous pouvez faire de la reconnaissance d'objets en live, ou vous pouvez faire de la reconnaissance d'objets à partir de photos que vous avez déjà dans votre smartphone. Tout en bas, on a les boutons. Sélectionnez, object. Donc, tout en bas, nous avons quatre boutons. Le bouton objet. Couleur. Le bouton pour les couleurs. Texte. Pour le texte. Monnaie. Et pour la monnaie. Ça, c'est plutôt cool. Texte, couleur. Pour les couleurs, si j'active ce bouton. Couleur. Aucune exactitude à 100% ne peut être garantie. La précision du résultat est fortement influencée par les conditions d'éclairage. Vous êtes prévenu. C'est sûr que beaucoup d'applications utilisant la détection de couleurs, parfois suivant l'éclairage de la pièce ou de l'endroit où vous trouvez, ne donne pas de bonne satisfaction. Mais ça marche quand même plutôt pas mal. Ok, bouton, ok. Deli by Yauta, sélectionnez, couleur. Il vous reste plus qu'à viser par exemple un endroit et à toucher votre écran. Pointez l'appareil vers l'objet pour connaître sa couleur. Et vous tapotez deux fois sur votre écran. Pointez l'appareil vers l'objet, noir, noir. Gris. Vous avez la possibilité pour les couleurs. On va prendre texte. Texte, texte, sélectionnez. Touchez l'écran pour prendre une photo et l'application lira tout type de texte à voix haute. Appuyez deux fois pour activer. Allez, on va prendre un texte et on va tester. C'est parti. Allez, petit texte au hasard. Je mets le téléphone devant ce texte. Touchez l'écran pour prendre une photo et l'application lira tout type de texte à voix haute. Allez, c'est parti. Appuyez deux fois pour activer. Allez, c'est parti. Veuillez patienter pour voir le résultat ou appuyer sur annuler pour interrompre le processus. Voiture électrique. Affichage des arts. ENVOUSTOLET. Tirez les leçons de l'histoire. DOKSAL, la voiture électrique de demain. Jean Touloubet. À discharge. Affichage des articles. Tirez les leçons de l'histoire. Donc voilà, côté texte, vous pouvez donc prendre en photo du texte et l'application chargera pour vous de lire ce que vous avez pris en photo, de passer l'OCR et de vous lire le texte que vous avez pris en photo. Plutôt cool. On va tester le côté argent. Attention, si vous voulez donc toucher aux paramètres de l'application, tout en haut à droite, setting hors de la liste. Vous avez donc un bouton setting que vous validez et vous allez entendre paramètres. Langue français. Vous allez pouvoir donc régler la langue en français. Écran de démarrage par défaut, tiret. Vous allez pouvoir choisir l'écran de démarrage. Devise par défaut. Et les devises par défaut. On va rentrer à l'intérieur. Devise. Et ici, bien sûr, on va choisir euro. Euro dans la liste. Je le valide.
Euro sélectionné. Paramètres. Une fois que vous avez fait ceci, vous revenez en arrière. Maintenant, on va aller sur le bouton complètement en bas à droite. Monnaie, hors de la liste. Sur monnaie. Monnaie. Aucune exactitude à 100% ne peut être garantie. Nous travaillons continuellement à améliorer cet outil. Ok, bouton, ok. Devise, euro sélectionné. Alors, on va prendre quelques billets. Allez, comme je suis super riche, j'ai un billet de 20, j'ai un billet de 5 et j'ai un billet de 10. On va voir s'il s'en sort. Le billet de banque ne peut pas être identifié. C'est parti. Pointez votre appareil sur le billet de banque et il lira sa valeur. 10 euros. 10 euros. 5 euros. Le billet de banque ne peut pas être identifié. Alors, je prends le premier billet. Je mets mon téléphone devant. 10 euros. 10 euros. C'est ultra rapide. 10 euros. Impressionnant. On prend un deuxième billet. Celui-ci qui devrait être un 5. C'est parti. Je passe devant. 5 euros. Et c'est instantané, les amis. 10 euros. 5 euros. 5 euros, c'est instantané. 5 euros. À peine je passe devant, il me le dit. Oh, ça mérite le gros pouce bleu, copain. Alors, je compte sur vous sur le gros pouce bleu en bas de la vidéo. Allez, on teste le billet de 20 euros. C'est parti. 20 euros. Waouh, c'est ultra rapide. 20 euros. Voilà les amis pour cette application Daily Buy via Opta. Entièrement gratuite, compatible iOS, Android, spécialement prévue en toute accessibilité de l'OCR, de la reconnaissance de billets. Allez, je vous fais une petite ouverture devant vous. Daily Buy via Opta, reconnaissance des objets. Du Samsung Fold 2. Et comme vous pouvez entendre, ce téléphone est entièrement accessible et maintenant vous pouvez voir sur votre écran en gros que ce téléphone il est vraiment ultra fin, ultra accessible. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, le Fold 2, c'est de la folie pure et dure. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr sur Vision High Tech. Portez-vous bien, salut à tous.